Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la grande nouveauté de Bain Minéral. Je rigole parce que j'ai voulu changer l'intro et vous faire la présentation dans une assiette mais c'est pas très joli. Donc en gros, aujourd'hui une vidéo pour vous parler de leur grande nouveauté qui est la sortie de leur bronzer qui s'appelle Cheer Sun de la gamme Barskin et surtout de leur correcteur, leur nouveau correcteur. Alors pourquoi vous parler de Bain Minéral avant de commencer? Tout simplement parce que comme vous le savez, c'est une marque que j'apprécie depuis très 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 longtemps et surtout que j'ai été maquilleuse pour la marque pendant plus d'un an et demi, donc forcément dès qu'ils sortent une nouveauté j'aime bien vous en parler. Donc pour précision, cette vidéo n'est absolument pas un partenariat, c'est juste le plaisir de partager avec vous voilà leur nouveau produit parce que je suis totalement fan. Alors si vous êtes motivé, je vous laisse regarder tout de suite la suite et vous allez voir, je vais ressembler à un zombie. Alors déjà, la première question que je me pose, c'est est-ce que ce nouveau concealer de Bain Minéral, donc le Barskin, va détrôner mon chouchou de toujours, le Stroke of Light? Donc en gros, la différence entre les deux serait que celui-ci serait beaucoup plus couvrant et surtout que celui-ci est un sérum. Donc on va commencer déjà le test des deux textures. Moi ce que j'adore dans le Stroke of Light, c'est il couvre vraiment bien toutes mes imperfections. Alors je sais pas si on voit bien la vidéo, j'espère qu'on voit bien. Alors déjà c'est très très agréable. Moi c'est comme ça que j'applique mon anti-cerne. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que la texture elle est en effet très agréable. Alors je vais pas vous faire le test du Stroke of Light parce que je l'avais déjà fait. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Donc là la couleur que j'ai appliquée c'est tan. Je pense qu'elle est un chouïa trop foncé, mais je vais pouvoir la rattraper. Et ce que je vais faire, c'est que pour cet œil là je vais mettre le medium golden. Ouais c'est beaucoup, ouais c'est mieux. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais si ça peut vous donner une idée pour vous. Bon, c'est complètement ça ma teinte. C'est vraiment génial. Franchement, ça couvre très bien le cerne. Verdict, le Barskin vient officiellement de détrôner le Stroke of Light. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que la texture elle est beaucoup plus comment dire onctueuse. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais le fini est très satiné, ça fait vraiment un effet assez soyeux. J'adore, franchement j'adore, bravo Bain Minéral. D'ailleurs si je dois vous donner un conseil, j'utilise aussi celui-ci, je sais pas si vous le connaissez, c'est d'Urban Decay. C'est le Skin Naked et en gros celui-ci il est bien aussi mais il est très couvrant. Donc suivant le cerne que vous voulez cacher et vos corrections, sachez que si vous voulez une correction vraiment très importante, vous mettez celui-ci, donc celui d'Urban Decay. Une correction un peu moins, c'est-à-dire une couvrance un chouïa en dessous, vous mettez celui-ci, donc de Bain Minéral. Et enfin une correction légère, foncée sur mon chouchou, sur le Stroke of Light. Sachez que dans celui-ci, dans le nouveau de Bain Minéral, il y a des extraits de cellules souches de lilas. Et en fait ça a des propriétés antioxydantes. Donc en gros c'est pour prévenir le vieillissement cutané. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ou pas un de ces trois concealers et si vous les utilisez. Et maintenant on va tester le produit que j'avais trop envie de tester, c'est leur bronzer. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous me suivez ou pas depuis longtemps, mais voilà, je déteste avoir le teint pâle, j'adore avoir le teint bronzé. Et du coup ils viennent de sortir ce produit. Donc en gros c'est un bronzer. Alors il va pas remplacer votre fond de teint. Il s'appelle le Cheer Sun. Avouez là que je l'ai bien dit, le Cheer Sun. Voilà. Donc en gros ce produit là il va pas remplacer votre fond de teint, il va s'appliquer soit en balayage soit en 3 et apparemment il va vraiment permettre de voilà rehausser son teint. Alors faut bien agiter. Alors pendant que j'agite, j'en profite pour vous présenter le pinceau qu'ils ont sorti. En gros c'est celui-ci, c'est exactement le même en fait que celui qu'ils avaient déjà sorti là, le Perfecting Face. Ils ont juste revisité la couleur. Mais j'aime bien, du coup c'est or, voilà. Et en gros le pinceau, je sais pas si on voit, mais à l'intérieur il y a une petite cuvette et ça permet en fait de pas utiliser trop de fond de teint et de l'étaler uniformément. Alors voici la couleur du bronzer. Alors pour appliquer le bronzer, on va le faire en trois étapes. Vous partez au départ des un peu limite de vos cheveux,
vous allez aller hop là sur votre os, l'os de la joue, et vous redescendez dans le cou. Alors moi j'aime bien en général repasser un petit peu sur le bulbe de ma joue. Alors au niveau de la quantité de produit, faut bien en mettre 4 gouttes. Après moi, j'ai la peau qui est quand même assez foncée parce que comme vous le savez, je reviens du Mexique, donc j'ai pas mal bronzé. En fait, la gamme Barskin, donc la gamme qu'ils ont sortie il y a pas très longtemps, le fond de teint qui est en même temps sérum ainsi que maintenant le bronzer, ça s'inscrit vraiment dans la tendance du moment, dans la tendance qui a été annoncée à la dernière Fashion Week. L'idée en fait c'est d'avoir un teint dit oui, donc j'espère que je le prononce bien. Pour votre info, ça s'écrit D-E-W-Y, donc ça doit être ça, un teint dit oui. Et l'idée, c'est en fait, un teint dit oui, c'est quoi? C'est tout simplement un teint qui va être à la fois brillant, légèrement brillant, mais aussi très lumineux. Et en gros, pour avoir ce rendu de teint dit oui, c'est vraiment le mélange du fond de teint et du sérum. Donc voilà un peu, vous me direz ce que vous en pensez, j'espère qu'on voit bien en retour caméra. Moi, je trouve ça vraiment sympa en fait, je trouve que ça me fait un teint vraiment frais et très léger, c'est pas le truc très très couvrant, donc je suis plutôt satisfaite, en sachant que là je n'ai pas appliqué de fond de teint, hein. J'ai juste appliqué le concealer qui vient de sortir et le bronzer, j'aime beaucoup. Voilà mes petits warriors, le test des produits Bare Minerals est maintenant terminé. Alors je vous ai pas parlé de quelque chose d'important, c'est le prix, à savoir que ceci, donc le Barskin, il coûte 26€, il existe en fait en 3 teintes chez Sephora et en 6 teintes sur le site bareminerals.fr. Moi sincèrement, au niveau de la teinte, tan c'est un petit peu trop foncé, donc je préfère le medium golden. Ensuite vous avez le pinceau, donc c'est le pinceau Visage Perfection, il coûte 26€. Je sais pas du tout lequel je préfère entre la version or et la version noire. C'est vrai que moi j'aime bien le côté noir parce que je trouve que ça fait un côté assez pro. Maintenant, je suis pas quelqu'un qui... Enfin, avant j'utilisais en fait beaucoup les pinceaux, je trouvais cool, mais maintenant j'ai adopté cette petite éponge. Elle est juste géniale. Ceci de chez Sephora, je sais plus comment elle s'appelle, et en gros, je trouve que elle est beaucoup plus... Elle permet en fait d'appliquer le fond de teint de façon beaucoup plus naturelle. Je sais pas si vous connaissez ou pas, c'est une tuerie. Bon, je suis désolée, elle a pris un peu cher, j'arrive plus à retirer les marques de fond de teint, mais elle est vraiment géniale. Si vous voulez vraiment une application de fond de teint naturel foncé sur cette petite éponge, je crois qu'elle coûte 7€, quelque chose comme ça, enfin elle est pas excessive. Et pour finir, donc forcément le Barskin, donc leur bronzer, lui il coûte 30€, donc c'est un 30ml, c'est ça, c'est un 30ml, et c'est une teinte universelle, donc finalement il va à tout le monde. Que vous dire, bah c'est vrai que moi je suis pas une fille qui va être spécialement fan des produits liquides, au niveau des bronzers je parle. Après, en toute sincérité, c'est vrai que moi le bronzer liquide, je pense pas que ce serait un produit que j'irais m'acheter, puisque je suis vraiment vraiment pour le côté très poudre. Par contre leur cover, j'ai kiffé, sincèrement. Ça c'est sûr que c'est un produit que je rachèterai une fois qu'il sera fini, parce que je trouve que, ben voilà, on voit bien la différence quand même. Là j'ai vraiment, je trouve que voilà, c'est beaucoup plus lumineux, donc sans hésitation, foncez sur le correcteur. Si vous avez vraiment besoin d'avoir une belle correction, que vous êtes un petit peu fatigué en ce moment, et que vous voulez juste un petit coup de pinceau, taponnement, un coup de poudre, et vous êtes prête, pimpante pour la journée, foncez, je le trouve génial. Et le prix reste très correct. Quoi d'autre? Eh bien c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si les revues vous plaisent toujours, en ce moment j'ai l'impression que sur YouTube, les vidéos beauté, vous aimez moins, en tout cas sur ma chaîne j'ai remarqué que voilà, j'ai l'impression que l'intérêt est un peu moins fort, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue ou pas à faire des revues sur les produits que je reçois, ou tout simplement des revues sur les produits que j'achète, ou voilà si vous voulez un autre format de vidéo, parce que j'ai vraiment cette impression que la beauté ça commence à vous lasser. Donc voilà, n'hésitez pas sincèrement en commentaire à tout me dire, parce que je lis tout, parce que l'intérêt c'est quand même que ça vous plaise. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire plein de coms sur ce que vous voulez en termes de vidéos. Je vais maintenant vous laisser, ça m'a fait super plaisir de partager avec vous cette découverte. Sachez qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va être un haul sur ce que je me suis acheté chez Forever 21, et je vais vous présenter aussi quelques petits produits que j'ai reçus, que j'ai vraiment kiffé, donc c'est des produits maquillage. Donc si jamais ça vous tente, je vous donne rendez-vous
vendredi ici à 18h pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous envoie des millions de gros bisous. Ciao, ciao.